Allons voir ces enfoirés. Bon, on va frapper à leur porte. On verra déjà s'ils ouvrent. Ah, je hais ces enfoirés de Borg. Fallait que ça tombe sur eux. C'est un gang comme les autres, non? Prends les Valentinos. Ils suivent Dieu et la Santa Madre. L'honneur a un sens pour eux. On sait ce qu'ils veulent, comment ils l'obtiennent, et ce qui les fait chier. Avec le Maelstrom, on sait jamais à quoi s'attendre. Vas-y, préviens les comptes. Je vous connais pas. On vient parler à Royce, de la part de Dex. Salle principale, on vous attendait. Charmant comme endroit. Manque juste quelques plantes. Eh ben, ils ont l'air bien préparés. Première fois que je vois une sécurité pareille dans une usine de bouffe. Ouais, sûrement le matos du convoi qu'ils ont volé. Ils ont dû se jeter dessus comme des vers sur une charrue. Monte dans cet ascenseur du camp! Vous avez un robot. Un modèle MT-0D-12. Un flathead. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Le type que je représente a payé Brick pour l'avoir. Je passe juste pour la livraison. Je parlerai à Royce directement s'il faut. Mais non, c'est avec moi que tu vas parler. Je m'appelle Tom Tom. Le canapé, posez vos queues. Je vais rester debout. T'as du mal à picher, connard! Pose ton putain de cul sur ce putain de canapé! Force-moi. J'ai cru que tu le demanderais jamais. Et pose ton cul avant que je te colle une balle dans le crâne! Jack, assieds-toi. Ça va mal finir tout ça. Fais chier. Bon, très bien. Allez, on se détend. Prends une dose. Merci, ça ira. Ah, la princesse veut garder l'esprit clair. Très bien. Et voilà. Le Flathead. Modèle MT-0D12. Militech va pas essayer de le récupérer? Ils peuvent toujours essayer, ces enculés. On a effacé le numéro de série et fait sauter le verrouillage d'accès avec notre logiciel. Il sera à toi, pour de bon. Je dois le voir. Fais-toi plaisir. C'est un putain de secret joujou. Bladage avec camouflage thermo, optique dynamique. Immersion cognitive totale avec contrôleur Raven. Prototype d'actionneur amélioré, réalisé en alliage de titane vanadium Kevlar. Et regardez ça! Liaison intégrée complète, alors que l'araignée se mettra à escalader un mur, à suspendre au plafond. C'est la gerbe assurée. Alors vous en dites quoi? Ouais, on le prend.
Allez, Mios, c'est super. On peut voir vos crédits. Demandez-les à Brick, il a été payé. Demandez-les à Brick, c'est ça. Je vois personne qui s'appelle Brick ici. Et toi ? Eh oh, tu vas pas me faire payer deux fois pour ce robot ? Tu crois que c'est toi qui décides ce que je peux faire ou pas ? Hein ? Si je te dis de repasser à la caisse, tu le fais ! Bon, si vous voulez le Flathead, vaudrait mieux allonger les CDI. Vu que t'as déjà reçu les CDI à l'avance, tu pourras nous faire une réduc. C'est la moindre des choses. Une réduc ? Ouais. En fait, j'y pense. Tu nous as pas dit qui t'envoie ? Pour qui tu bosses ? Dexter de Shaun, si tu veux le savoir. Dexter de Shaun. Le crawler qui a enculé la moitié de Pacifica avec une barre de fer. Je tiens, ce fils de pute ! T'es mort ! Tu m'entends plus ? Allez, cabron, merde, comprends-tu nos amours ! Où est-ce tes cabrons ? Chargeur vide ! Il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Pas une idée par hasard. Le volet est blindé. On le traversera jamais. Mais cette usine est pas récente. Il doit y avoir des gaines et des conduits de maintenance un peu partout. On peut toujours essayer. C'est bon, j'ai tout. Le robot et le contrôleur. Alors on se casse. Vaut mieux pas traîner. Allez, on dégage d'ici. J'ai besoin de prendre l'air. Cette viande, ah, ça me donne envie de gerbe. C'est une chaîne de production, et puis je croyais que t'aimais la barbaque. Il n'y a vraiment pas d'autre chemin. Oh, super. Et d'avance, on y va. Barbance.
Arrête de faire traîner! Est armé. Du recuir. Mais au final, c'était un gros crétin. Décérébré en plus.
Baisse du plomb, petit neige. Joli. Ces engins de Militech bourdonnés dans tous les coins. On pourra parler une fois dehors. C'est la connasse de Militech. Tu pensais ne jamais me revoir, hein? T'es bien trop naïf. On veut pas d'autres ennuis. Je ne pense pas, en effet. Mais ça ira pour aujourd'hui. Royce a eu ce qu'il méritait, et c'était l'objectif. Je n'y serais pas arrivé sans vous. Gardez le Flathead. Et disons qu'on est quitte. Bouclez-moi le périmètre. Sécurisez la zone. Il est temps d'y aller, carnal. Putain, V. J'étais pas sûr qu'on repartirait en un seul morceau. Merci, Jack. T'as encore assuré. Eh, toi aussi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens bien? Ouais, je veux juste être sûr que... Tu sais, que c'est cool entre nous. J'aime bien bosser avec toi. Moi aussi, mais... Moi aussi. Eh, je te laisse prévenir Dex qu'on a son jouet. Après, je propose qu'on se retrouve à l'Afterlife. Histoire de s'envoyer quelques shots. Ah, il est où, V? Comment ça se présente, Monsieur V? J'ai le robot. Ça s'est bien passé? Tu n'as pas eu d'ennui? Et avec Militech, ça a donné quoi? Pas d'ennui? Bien sûr que si, vu que Roy s'en foutait complet de votre accord avec Brick. Comment tu l'as amadoué, alors? Tu t'es servi de la corpo? J'ai rencontré Stout. Et? Ça a pas trop accroché entre eux. Pauvre Meredith. Elle va
sûrement payé les pots cassés après votre rendez-vous raté. Alors comment tu as convaincu Royce de te lâcher le Flathead ? À la manière forte. Y'a que ça qui marche à tous les coups. Tu as du cran, monsieur V. Et ce rendez-vous avec Emile Parker ? Toujours au programme. Si tu veux avoir une chance d'arriver à voler la puce, tu dois la rencontrer. Parker t'attendra au Litzy's. Je te souhaite bonne chance.